J'ai quelques petites blessures, mais en réalité, c'est ça le sport. Donc, je me suis habitué à avoir toujours des petites blessures à mes combats, mais physiquement, mentalement, je pense que je suis prêt. Je pense pas que j'aurais pu être plus prêt que je le suis présentement. Donc, je me sens vraiment confiant là, physiquement et mentalement. J'étais supposé me battre avec lui au premier combat. Finalement, je pense qu'il était parti à la guerre, à la camp dehors. je m'étais dit, ouais, c'est une bonne excuse pour annuler son combat. Puis en plus, là, il est revenu de la guerre, il a décidé quand même de m'affronter. Donc pour moi, c'est juste du respect que j'ai envers lui. Surtout qu'il est revenu justement pour se battre avec moi. En réalité, moi, je m'entraîne toujours pour une guerre, en réalité. Fait que à chaque combat que je fais, je m'attends à faire le plus difficile combat de ma vie. Donc, pour moi, c'est pas vraiment important que ce soit plus difficile, moins difficile. C'est juste que mon entraînement, il est vraiment basé sur le combat le plus difficile que je vais pouvoir faire, les limites que je vais pouvoir atteindre. Métropolis, c'est un petit peu plus le party qu'au Centre Bell. Le Centre Bell, c'est un petit peu calme. Je pense que Métropolis, ça va vraiment être une belle ambiance là-bas. Il va y avoir un petit peu moins de monde, mais je pense que, comme j'ai dit, ça va être un petit peu plus le party. Ça va être un petit peu plus pogné, donc je veux pas. Le monde va avoir beaucoup plus d'ambiance, là. Beaucoup plus de bruit. J'imagine que c'est parce que j'ai fait trop fait de judo quand j'étais jeune, donc 7 fois semaine, j'étais un petit peu tanné, donc la passion y était peut-être un petit peu moins. Puis ça m'intéressait de voir qu'est-ce que le MMA pouvait me donner un petit peu dans la vie. Donc j'ai décidé un petit peu d'essayer, puis ben, je suis tombé amoureux du MMA. Donc, c'est pour ça que j'ai changé de sport à temps plein, là. Sinon je serais revenu dans le judo, mais pour moi je suis vraiment heureux dans le MMA. Peut-être la mentalité d'être le combattant le plus fort du monde, si on peut dire. Donc c'est vraiment que c'est complet, c'est vraiment des combats complets, contrairement au judo qui n'avait pas de coups de poing ni de coups de pied. Je pense que c'est ça qui se rapproche le plus d'un vrai combat. Mais moi, c'est vivre ma vie avec ça, là, en réalité. Là, tant que je peux vivre ma vie avec ce que je fais, avec la passion que j'ai présentement, ça serait vraiment une bonne chose. Ça change pas la vision. Peut-être une petite motivation de plus. Donc, c'est sûr que je veux vraiment essayer de gagner ma vie, comme j'ai dit tantôt, avec le sport. Là, ça me donne une motivation de plus à réussir. Donc, je pense que ça change pas vraiment comment je vais l'aimer, mais ça donne une motivation de plus. La réussite, j'imagine. Mes parents, tout mon entourage, ça motive aussi le coup que tous mes amis viennent me voir. Donc, c'est toutes ces petites choses comme ça qui vont me motiver. Ben, j'aime quand même me battre. Donc. la politique. C'est un sport professionnel. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de politique dans ça. C'est peut-être ça que j'essaie de toucher le moins possible. Je dirais Genki Sudo, un japonais que j'aimais bien son style de combat. Je trouvais vraiment que c'était plaisant à regarder. Non, pas vraiment. Je connais pas trop le monde au Québec. Je connais un petit peu à l'international. Mais n'importe qui me met devant moi, je me batte avec de toute façon. Là, ça me dérange pas vraiment. Bon, je remercie mon coach Richard O du H2O, mon commanditaire TVGO.